Comme d'hab, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je vous retrouve aujourd'hui pour une analyse de situation. J'en ai plein en attente. Il y en a plein qui m'ont fait des copies. En fait, vous me les avez renvoyées, mais ça ne me les avait pas mis. Je vais essayer de me débrouiller en tapant votre adresse mail et peut-être que je taperai sur les précédentes. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un excellent début de semaine. Donc, on va analyser une analyse de situation, en fait, qui m'a été envoyée par une crème. Autant vous dire que j'ai même posé des questions à mon mari, puisque pour moi, c'était what the fuck, tu vois. Je ne savais pas si c'était du lard ou du cochon. La crème a l'air sincère. Je me suis même demandé si c'était pas un piège. Mes crèmes d'amour. Soit vous avez affaire à des mythomanes, soit vous êtes teubé, soit les deux. Je ne sais pas trop. Mais encore à 18 ans, tu vois, tu peux être un peu. Mais. À un moment donné, après, faites vos recherches aussi sur Google. Il y a des trucs, je sais pas, ça va de soi que ça ne tourne pas rond. Si tu tombes ici par hasard, d'ailleurs, welcome, marhaba. Moi, c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis là pour t'aider à évoluer physiquement, mais surtout mentalement. Mes crèmes. Du coup, je filme avec l'iPhone 15. J'ai essayé de baisser la luminosité. Vous m'avez dit que c'était trop lumineux, c'est vrai. J'avais un peu d'appréhension par rapport à. Voilà, comme il n'y a pas de filtre, hein, je vous ai dit avec celui-ci. D'habitude, je filmais, il y avait un filtre. Là, il n'y en a pas. Du coup, voilà, ma gueule est en travaux. Non, moi j'aime bien, mais tu vois, ça, je sais pas, ça me fait bizarre. On voit tous mes pores, on voit tous les défauts, on voit tout. Là, faut que je m'achète la poudre Charlotte Tilbury. Hein. Attendez, je vais prendre celui-ci, peut-être que ce sera mieux. Donc, c'est une crème qui veut épouser un soldat. Voilà, elle a des interrogations, elle ne sait pas si elle devrait l'épouser. Si toi aussi, tu as une interrogation, si tu traverses une période difficile, sentimentale, financière, peu importe, tu peux m'envoyer ta problématique et ton histoire par mail. Donc l'adresse mail, elle est en barre d'informations, lindushka.mac@gmail.com. Tu peux aussi d'ores et déjà réserver ta séance téléphonique avec moi sur mon site internet. Pareil, il est en barre d'informations, www.lindarezacoaching.com. Donc, let's go, c'est parti. La crème, donc du coup, m'envoie un message. Je dois aller récupérer ma fille à 30. Alors autant vous dire qu'il faut au moins que je sois sortie à 25. Il est 16h, j'ai 25 minutes à tout péter. Donc, mariage avec un soldat, fuir ou rester. Angoisse, sentiment d'abandon. Continuons. Salam alaikum Linda, je poste cette publication afin d'avoir des conseils sincères car je ne sais pas quoi faire. Je ne dors quasi plus. Je suis une femme de 30 ans. Tu peux m'appeler Cyrine. J'ai rencontré un homme il y a 3 mois et demi. On s'est très vite plu sur tous les plans. J'ai la possibilité de me marier avec cet homme de 32 ans. Très gentil, pratiquant, qui prend vraiment la religion à cœur. Cependant, il y a un hic. Bien sûr, sinon ce ne serait pas drôle. Hein. Cet homme souhaite s'engager en tant que soldat afin de défendre la cause des musulmans qui subissent des massacres en Ukraine. Entre parenthèses, tartare de Crimée. Ma crème, je sais pas si tu tombes ici par hasard, je pense pas, mais tu sais que moi déjà je suis fille d'un. Mon père, mon défunt père était soldat français. Et quand je te dis soldat, il était colonel dans l'armée de terre. Et quand je te dis colonel dans l'armée de terre, je te parle pas de 2 ans, de 5 ans ou de 20 ans. Hein, il a fait 25 ans d'armée en tant que colonel dans l'armée de terre. Tartare de Crimée en Ukraine. Est-ce que tu crois qu'en tant que musulman, il n'y a pas une autre cause à défendre que celle-ci? Je n'ai absolument rien contre les Ukrainiens. J'ai des voisins ukrainiens d'ailleurs. Ils sont adorables. Ils font un peu de bruit, mais ils sont adorables, tu vois. D'ailleurs, lui-même, il ne va pas défendre sa cause. Il est là, il travaille en France. Bref, on n'est pas là pour leur taper du sucre sur le dos, bien que ce n'est pas l'envie qui m'en manque. Les Tartares de Crimée. Est-ce que tu sais de quoi tu parles? Est-ce que tu as été, en fait, te renseigner? Tartare de Crimée, ça fait très longtemps ce bail. Ça fait très longtemps que les Tartares de Crimée, je pense qu'ils ont été tués, les vrais. Et les seuls qui restent, à mon avis, ça doit être un peu des traîtres, quoi. Et donc, il veut aller combattre auprès d'un pays qui est soi-disant donc l'Ukraine, qui ont voté contre le cessez-le-feu à Gaza. Oh non, mais ça, c'est une blague ou quoi? Ma crème. Est-ce qu'il est hypocrite? Est-ce qu'il est teubé? Est-ce qu'il est. Je sais pas. Est-ce que ses parents sont cousins et cousines? Est-ce que toi-même, tes parents ne seraient pas consanguins? Parce qu'il y a des. Alors, j'ai rien contre les gens hein, qui se marient entre cousins et cousines, bien sûr que c'est illégal, mais il y a quand même des séquelles. Ça a été avéré, ça a été prouvé par la science. Il y a un pète au casque quelque part là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et en plus de ça. Que je sache officiellement et officieusement, il n'y a aucun soldat de l'armée de terre qui est sur place, que ce soit en Ukraine ou en Crimée, officiellement et officieusement. Je ne vous dis pas que l'OTAN ne se trouve pas, par exemple, comme en Lituanie, en Roumanie, etc. Mais là, on parle de l'armée de terre française.
Le mec, il va venir, il va dire, moi, je veux aller en Crimée avec les Tartares pour combattre auprès d'eux. Il s'est pris pour qui? C'est pas le fils à Sarkozy, quoi. Tu vois le truc ou pas? Bah, l'histoire ne tient pas debout. Je te dis la vérité, l'histoire ne tient absolument pas debout. Peut-être qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Peut-être que lui-même, il est diplomatique ou je ne sais pas. Il peut choisir où aller. Moi, j'ai une proche à moi, par exemple, son fils est dans l'armée de terre en France. Il a dû choisir entre, je sais plus, ma crème, c'est le Mali ou je sais pas, un autre pays. Il a pu choisir donc l'un des deux et il a été, elle avait peur que son fils parte et tout. Voilà, il a pu choisir entre l'un ou l'autre. Mais lui, Zarmati, qui va rentrer dans l'armée et dire, moi, je veux combattre auprès des Tartares de Crimée pour l'islam, pour la cause musulmane. Moi, mon père, comme je te dis, était colonel dans l'armée de terre française, excuse-moi, mais des martyrs dans l'armée de terre française, je ne crois pas qu'il en existe. Hein. Continuons. Il souhaite s'engager. Alors, attends, pareil. Ne dis pas que je suis méchante. Parce qu'en fait, c'est juste la vérité. Donc, la vérité, peut-être qu'elle fait mal. La vérité est méchante, le monde est méchant. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Il t'a baratiné, soit c'est un mythomane qui t'a raconté des cracks, mais toi-même, va te renseigner juste sur Google. Armée de terre en Crimée. Armée de terre française en Crimée, il n'y a pas, ma chérie. Ça n'existe pas. Bien sûr que le Tahan de Vladimir, il peut. Il donne d'ailleurs la nationalité ukrainienne à toutes les personnes qui veulent rejoindre ses bataillons, d'ailleurs. Mais l'armée de terre française, officiellement et officieusement, n'est pas sur place. Il y a certains Français qui ont décidé d'y aller, mais ce n'était pas avec une fiche de paye bleu, blanc, rouge. Tu vois le truc ou pas? Donc moi, je pense que t'as affaire à un MeToo. En plus, t'es là, tu dors pas, ça fait que 3 mois, tu t'es censée te marier avec lui. Ma chérie, redescends sur Terre. Tu nous fais déjà, je sais pas, un remake de Desperate Housewives, de Femmes de soldats. Ça fait 3 mois que tu le connais. C'est un mythomane. Est-ce que tu l'as vu en vrai, d'ailleurs? Parce que tu en as même pas parlé. Donc, les massacres en Ukraine, Tartare de Crimée. Ouais, parce qu'il faut savoir que. Enfin bref, c'est long à expliquer. De toute façon, je ne suis même pas là pour faire de la géopolitique. Mais moi, j'ai un mari qui s'y connaît quand même, un minimum, humblement, en tout ce qui ces choses-là. C'est pour ça que je me suis dit, attends, c'est quoi, c'est un piège ou quoi, on veut nous tirer les vers du nez. Non, non, il y a vraiment des personnes, en fait, comme ça, qui croient. Comme on dit, en fait, si tu répètes un mensonge, ça fait. Toi-même, en fait, de toi, une mytho. Alors lui, est-ce qu'il a répété un mensonge? Est-ce qu'il est teubé? Enfin, ça tient absolument pas debout, en fait. Donc, il souhaite s'engager avec l'armée française pour ensuite rejoindre un des bataillons des Tartares, des Tatars. Tartare, ça c'était le pseudo de ma sœur Sabrina par ma mère. Elle avait inventé ce mot, ma mère Tartare, qui voulait dire que t'étais vraiment taré, quoi. En effet, à 20 ans, cet homme est parti se former à l'armée pendant 3 ans. Donc 3 ans à 20 ans, donc à 23 ans. Il s'y connaît un peu. Bah, ça, c'est ce qui t'a dit, ma chérie. Hein. Ça, c'est ce qui t'a dit. Mais moi, je n'ai pas l'impression qu'il s'y connaît un peu. Moi-même, j'ai jamais été formée, j'ai jamais été dans l'armée, quoique. Mes crèmes d'amour, je ne vous ai pas tout raconté. Mais ça tient pas debout, quoi. Faut arrêter 5 minutes. Faut arrêter le crack, faut arrêter les mythos, quoi. Trop de mythos tue le mytho. Les bataillons français en Crimée, mais il n'y en a pas, en fait. Et quand bien même il y en aurait pour défendre les Tartares, les Tatars. C'est pas lui qui décide. Autant ils vont l'emmener là-bas, ce qui m'étonnerait. Non. Autant il est hypocrite, il veut juste, je sais pas moi, aller combattre en Ukraine pour je ne sais quoi. Peut-être qu'il a trop joué, tu sais, au truc vidéo là, sur l'ordinateur. Peut-être qu'il a envie d'aller là-bas pour se faire un kiff, ça là. Mais qu'il arrête ses mensonges, en fait, ça passe pas. Donc, cet homme m'a annoncé son désir de combattre un moment après nos premiers échanges. Il veut combattre un moment, genre. Environ 2 mois après notre rencontre. Cet homme me plaît dans sa personne, sa façon d'être, dans sa pratique religieuse. Si toi-même, en fait, t'as une pratique religieuse, tu vois bien qu'il y a un truc qui tourne pas rond, ma chérie. Ce mec-là, il est religieux, il veut s'engager dans l'armée française, pourquoi pas, pour aller combattre les Tartares en Crimée. Pour défendre la cause musulmane. Non, mais arrête 2 minutes, arrête 2 minutes. Donc combattre contre, on va dire, les soviétiques, contre les Russes, qui ont voté contre le génocide à Gaza, quoi. Bien sûr qu'il y a eu il y a eu beaucoup de guerres contre les soviets, no, no, notamment dans le Golfe et tout, mais enfin, je veux dire,
quand on voit les alliés des uns et des autres. Moi, je vous dis la vérité, c'est de mener la guerre. Je suis pour la France, c'est mon pays, je suis française. Mais là, ce que tu racontes, ça tient pas debout. Et je comprends pas comment, à 30 ans, tu peux croire en ces conneries. T'es musulmane, il est musulman, lui-même, faut arrêter deux minutes, en fait. Il y a un truc qui va pas du tout. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, mes crèmes d'amour, hein, parce que je sais qu'il y a des crèmes à moi, d'ailleurs, qui sont mariées avec des militaires, que ce soit des soldats, que ce soit des gendarmes. Faut arrêter deux minutes. Il y a même des crèmes à moi, des coachés d'ailleurs à moi, qui sont cadres dans... Enfin bref, on va pas donner de détails. Mais ton histoire, elle tient pas debout. Donc je dis pas que tu mens, je dis juste que tu répètes des mensonges. Gros, c'est même pas comme une maison, c'est comme le soleil. T'as pas 18 ans, quoi. Sa pratique religieuse, il est très gentil, me conseille toujours au mieux, prendra soin de moi. Il a toutes les qualités d'un homme pour moi. Ça encore, tu n'en sais rien, en 3 mois, bon, peut-être que le mec, il t'a fait du love bombing. Je te le souhaite, autant il est gentil, autant il est naïf, autant il est teubé, tu vois le truc. Il y en a beaucoup des teubés, hein, comme ça. Mais autant on l'a endoctriné, on lui a fait croire que, ah, t'es musulman, mais du coup, tu peux aller faire ci, tu peux aller faire ça. Allez, stop, stop, en fait. Donc, environ 2 mois après notre rencontre, donc vous vous êtes rencontrés, hein. Oui, shut up, bitch. Cependant, je ne sais pas si je vais accepter un mariage avec lui, à savoir que s'il lui arrive quoi que ce soit, je ne me remarierai pas avec une autre personne. Tu n'en sais rien, hein, ma chérie, tu n'en sais absolument rien. Après, oui, aujourd'hui, c'est ton point de vue. D'accord, ok. En effet, s'il meurt martyr, je préférerais rester sa dernière épouse afin de pouvoir bénéficier du privilège d'être épouse d'un martyr dans l'au-delà. Je sais pas quoi dire, je suis éberluée, je suis estomaquée, je suis sidérée. Qu'est-ce que c'est que ces simagrées, quoi? Please, être martyr d'un soldat qui va combattre en Ukraine. Arrête, s'il te plaît, ma chérie. Faut arrêter 2 minutes. Faut arrêter 2 minutes en fait, arrêter de vous inventer des religions, des... Moi encore vous me dites Linda, oh là là, c'est vrai que j'ai même pas mon verre là, faudrait que j'aille m'en servir. Hein. Moi aussi je suis une grosse hypocrite mais je l'admets. Faut arrêter de se trouver des excuses, des mensonges, y croire parce que ça nous arrange. Ça, ça n'existe pas ma chérie. Et en plus toi tu veux rester mariée à lui pour profiter d'aller au paradis parce que tu seras femme de martyr. Bon ça par contre ouais je suis pour, si ça serait vraiment vrai hein. Why not? Une opportunité de luxe, hein, on adore ou pas? Oh non, please, stop. Donc, de plus, je ne pense pas pouvoir laisser un autre homme me toucher après lui. Cela me crèverait le cœur de savoir qu'il n'est plus là et qu'une autre personne prendrait sa place. Pourquoi te mettre dans le mal? Pourquoi te mettre dans de si positions? Pourquoi te mettre dans la peau d'une veuve? Oh! Vous êtes timbrés tous les deux, j'ai l'impression. Toi, t'es négatif. Lui, il te vend du rêve de machin. Ouais, je vais être martyr. Ouais, truc, machin et tout. Ça peut paraître sexy et tout. On adore ou pas? Ah oui. Mais j'ai envie de te dire la vérité. Ce mec est un mytho. Ce mec est bête. Et toi, tu te projettes dans une histoire qui n'a ni queue ni tête. À me dire déjà, à te mettre dans la peau, c'est même pas... Il y a des meufs, elles se mettent dans la peau de femmes de footballeurs. Il y a des meufs, elles se mettent dans la peau de martyrs imaginaires, quoi. Faut arrêter 2 minutes. T'es en train de te faire du mal, tu ne dors pas la nuit parce que tu viens de rencontrer un mec, ça se trouve tu l'as vu une fois dans ta vie. Je sais même pas si vous êtes pas rencontrés sur un réseau social. Ça fait 3 mois et t'as dit je veux bien me marier avec toi. Et là tu dors pas de la nuit parce qu'il est soi-disant, il va peut-être partir en guerre, il a décidé de ça il y a 1 mois. Et il veut... Non mais attendez là, stop en fait. On n'a pas le temps. Donc... D'un côté, je pense à moi, cet homme souhaite se marier cette année et partir combattre l'année prochaine. C'est lui qui décide, hein. Il part l'année prochaine, il sait dans quel bataillon il va rejoindre. Un bataillon qui n'existe toujours pas, mais ils vont créer pour lui. T'as vu ce genre de mytho là? Mon mari les appelle les poulpes. Il y a des meufs, elles adorent les poulpes. Les meufs, les mecs qui vomissent des mythos comme ça à longueur de seconde, qui les font rêver, qui les fait pleurer, qui leur... Oh, mais stop! Stop, en fait. Je suis pas aigrie, mais crème, je suis juste moi-même. Je suis juste vraie. Là, il n'y a rien qui va.
Franchement. Alors vous allez me dire non, mais vraiment la France, c'est sûr qu'ils ont envoyé des gens. Non, officiellement et officieusement, ils fournissent, bien sûr. Ils fournissent de l'aide financière, des armes, des trucs. Et encore, ça c'est officieux. Quoique certaines fois un peu officiel, l'OTAN, voilà, s'est engagé là-dedans à soutenir quand même l'Ukraine, bien qu'ils ne font toujours pas partie de l'OTAN. Et que d'ailleurs, ils leur ont fait croire qu'ils en feraient partie, mais finalement, ils n'en font même pas encore partie. Faut arrêter 2 minutes, quoi. Continuons. En plus, tu sais que tout le temps, je parle de Vlad. Je le hais. Je le hais. Il déteste les... C'est des gens, c'est des nazis. Il va les combattre auprès des nazis pour défendre 5 personnes qui restent. Ah, oh, stop. Please. Donc, non mais ma crème, je veux pas être méchante avec toi, mais je veux t'ouvrir les yeux, il n'y a rien qui va. Le mec, c'est un mythomane, il s'invente une vie, tu crois à la vie qu'il s'est inventée, et je suis sûre qu'il y croit et qu'il croit aussi. On adore ou pas? C'est une Zlata Meshouya Pahlel pour le coup. Hein. À base de martyr, de machin, on ne l'avait jamais faite. Et écoutez, il y a un début à tout. Hein. Donc, cependant, je crains de ne jamais enfanter. Si d'ici là, nous n'avons pas d'enfant, et qu'il n'est pas là non plus, j'aurais cette peur de ne jamais avoir d'enfant. Il y a des gens, ils ont leur mari, ça fait 40 ans qu'ils vivent ensemble, ils n'en ont toujours pas. Hein. Finalement, ils font des grasses matinées, ils n'ont pas de cernes. Et puis, ils mangent des pancakes et des crêpes tous les matins. A contrario, j'ai également la crainte de me retrouver seule avec un enfant si jamais nous arrivons à en avoir un. En fait, crainte, crainte, j'ai peur. Il n'y a rien qui va se passer. Ça se trouve, il n'y a pas de mariage. Le mec, c'est un mythomane. Il n'y a même pas de bataillon là-bas en Ukraine, de ce qu'il raconte, là, avec les tartares, les machins, les trucs. Il faut qu'il se calme down. Et toi aussi, t'es en train de te mettre mal aujourd'hui pour un truc qui va jamais arriver. Vous vous rendez compte? Ça s'appelle les pensées négatives. Le pouvoir de la mythomanie, le pouvoir de la dissuasion. Je crois en mon propre mensonge que je vais créer, je vais tellement être convaincant que je vais y croire aussi. Mais stop! C'est une pathologie, il faut aller se faire soigner. Donc, à contrario, j'ai également la crainte de me retrouver seule avec un enfant si jamais nous arrivons à en avoir un. Je sais que beaucoup de femmes galèrent à élever leur enfant seule et j'ai peur de me retrouver dans cette situation, même si je compte travailler, cela me fait peur. Pourquoi tu travailles pas? PS, je suis infirmière. Bah, tu travailles ou tu travailles pas? Alors, t'es une infirmière au chômage? Pourquoi pas? J'aimerais me marier avec cet homme, car il a les qualités requises pour être un bon mari. Mais à côté de ça, je trouve qu'il est égoïste. Et je ne comprends pas son envie de se marier égoïste avec une femme. Bien sûr que tout le monde est égoïste. Moi, j'encourage tout le monde à être égoïste. Faites ce que vous voulez faire si ce n'est pas des mythos. Vivez vos mensonges à fond. Il te connaît que depuis 3 mois. Tu crois qu'il va s'adapter à toi, à tes envies? Ma chérie, oh là là! Tu me fais penser à une copine à moi qui... Qui est tout le temps heureuse pour des mensonges, qui est tout le temps malheureuse pour des mensonges. Finalement, ses émotions sont bercées par le mensonge. Je te dis pas que t'es une mytho, t'es pas une mytho. Mais t'es. Ma chérie, je te dis la vérité, c'est pas possible. T'es bête. Tu crois tout ça, t'es bête. Maintenant, il y a Google, il y a tout ce que tu veux, il y a Chrome. Va faire tes recherches. Tout ça n'existe pas. D'où tu crois qu'un mec, il est pas. Il est quoi? Il est adjudant ou adjudant-chef, ou j'en sais rien ce qu'il est. Il va débarquer à l'armée. Il a été 3 ans là-bas quand il avait 20 ans. Voilà, il a fait son service militaire, il s'est engagé pendant 3 ans. Et après, il revient en moonwalk comme ça. Hop, tac, 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 tac. 10 ans après, il va leur dire, moi, je veux combattre avec les tartares pour la cause musulmane et être un martyr. Oh! Là, il y a trop, c'est trop. Entre toi et lui, il a trouvé la bonne poire. Parce que toi, ça se voit que tu es naïf, tu crois. Lui, c'est tellement un mytho professionnel qui croit en ses mensonges aussi. Il a trouvé une bonne poire. Ça lui fait du bien de te voir que toi, là, t'as peur qu'il meure au front. Le mec, il est là en train de se gratter les clous. À mon avis, elles sont toutes humides. Ça fait 3 jours qu'il n'a pas changé de slip. Et il y a une meuf comme ça qui est chez elle en train de lui répondre. Elle sent bon, c'est une crème, de la crème. Et elle est là en train de lui dire: No, baby, no, please. Oh. Pars pas. Non, au front, c'est vrai. Reste près de moi. Donc, il a envie de servir Dieu.
Attends, il y a des doigts là dans l'histoire, attendez. J'aimerais me marier avec cet homme car il a donc les qualités. S'il souhaite s'engager en tant que soldat, savoir qu'il fait des doigts pour mourir dans le combat dans le but de mourir martyr. Je dois rire quand? On a la 25 minutes. C'est quand que je dois commencer à rigoler, quoi? C'est pas ça un martyr, hein. Non. Il veut mourir martyr. C'est un taré, quoi. Il te met de la poudre de perlimpinpin dans les yeux. Le mec est chelou. Le mec est négatif. Le mec est suicidaire, j'ai envie de te dire, limite même. Il n'y a rien qui va, quoi. Il est négatif, il est anxiogène. Le mec, il t'a mis pas bien, c'est que des si, des si et des si. Avec des si, on entend Paris, on enterre Paris sous terre. Hein. Hein, on adore ou pas? T'es pas bien à cause de si. Hein. Il va rien se passer du tout, à mon avis. Elle est en train de se demander si elle devrait se marier avec lui. Il lui a même pas ramené une bague. Il y a des meufs, elles ont eu des bagues. Elles ont eu un traiteur. Elles ont eu rendez-vous avec le maire. Elles ont. Et elles se sont toujours pas mariées. Et toi, là, t'es en train de me dire qu'il va potentiellement venir et que t'es en train de te mettre mal pour les éventualités où il meurt parce qu'il va être martyr, parce que machin, et que toi, de toute façon, peut-être que tu vas te retrouver avec un orphelin dans les bras, et peut-être que finalement, oh bah écoute, t'auras une prime, hein, ma chérie. Ah oui, mieux vaut pleurer dans une Rolls-Royce qu'à la bicyclette. Hein. Et encore, hein. Je crois qu'il y a plein de soldats d'ailleurs qu'on paye pas, hein, je te dis la vérité. Il n'a pas l'air de savoir compter, hein. Ou du moins d'avoir la lumière à tous les étages. Donc, il a envie de servir Dieu, ce que je comprends. Il a envie de servir Dieu en Ukraine, MDR. Dieu, il doit être en train de rigoler. T'as vu ça? Non, mais je te jure. Moi encore, t'as vu, je suis hypocrite déclarée, quoi. Je suis passée à la douane. Mais regarde-moi ça. On est d'accord qu'il y a un truc qui va pas. Je sais pas, non? Ouais. Donc, j'aimerais me marier avec cet homme hein, qui a les qualités requises, ça j'ai lu, servir Dieu. Mais il serait prêt à laisser sa femme seule avec un enfant ou non, tout en sachant qu'elle ne se remariera pas s'il venait à mourir. Ma chérie, tu te la frottes à ta comment ça s'appelle? Je sais pas, une chaise, hein, un pied de chaise et basta. Je ne sais pas quoi faire. Pourrais-tu me donner des conseils et demander à tes crèmes de me donner des conseils s'il te plaît? En plus, elle m'a mis un emoji comme ça. C'est qu'elle est vraiment dans le mal. Hein. Elle s'est vraiment mise dans la peau de femme, de soldat qui va mourir en martyr. Peut-être que des personnes ont déjà vécu ce genre de situation. Ouais, peut-être qu'il y a déjà des femmes, des mécrèmes qui sont tombées sur ce genre de mythomane, hein. Ce genre d'imbécile. C'est possible. Je dois annoncer à ma mère qu'il aimerait demander ma main aux alentours du 15. Aux alentours du 15. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui te dise je viens aux alentours du 15. Laisse-moi prendre mon agenda. Là, on est le 6. Donc, il doit venir aux alentours du 15. Jeudi 15, tes parents travaillent, tes parents ont un emploi du temps, toi aussi ou non? Tout le monde est chômeur? Il n'y a personne qui donne des rendez-vous aux alentours. Moi, ma mère, tu veux venir chez moi, il faudra que tu préviennes. Il faut qu'elle pose, je sais pas, qu'elle décale un peu ses heures entre ses trois jobs qu'elle avait. Moi-même, tu peux pas venir comme ça à l'improviste. On doit préparer un petit buffet. On doit préparer, voilà, un petit buffet dînatoire, tu vois. Mes tantes aussi, éventuellement, elles travaillent toutes. Donc, si elles veulent venir pour la demande en mariage, il faut toutes les préparer. Une petite tenue, éventuellement, faire ses ongles, faire ses cheveux. Donc, le 15, c'est jeudi. Qui c'est qui vient faire une demande en mariage le 15, jeudi? Il vient le 14, le 15, le 16, il vient quand? Ou il vient pas? Il vient avec qui? Avec sa mère? Mais je ne sais pas si je suis prête à souffrir avant même d'être mariée. Bah écoute, c'est déjà ce que tu fais. Apparemment, tu dors pas, donc tu te fais souffrir toute seule. Hein. T'es une souffrante bénévole. Toutes les femmes qui ont vu, qui vont se marier, sont heureuses. Pour ma part, je ressens une petite joie à laquelle je superpose une grande tristesse avant même d'être mariée. Mais tu vas même pas te marier si ça se trouve. Moi, je te dis la vérité, j'en mets mon petit doigt à couper, ce mariage n'aura pas lieu. J'y crois pas du tout. Je n'y crois pas. Ah, par contre, j'adore mes racines avec la couleur et tout comme ça. Tu m'excuseras, ma chérie, mais là, on sort du contexte. Je me le permets, mais moi, j'y crois moyen. Il va. Franchement, désolé. Tu vas m'incendier. Tu vas me répondre à ce mail, à cette vidéo. Tu vas m'incendier. C'est sûr. Je veux la photo du martyr. Je veux la photo de ta bague. Je veux la photo de la demande en mariage. Et tu ne me trouves pas ça sur Pinterest. On sait faire. Hein. Bref, ça c'est notre histoire d'ailleurs. Une meuf qui a envoyé une photo d'une cérémonie de mariage à mon frère en lui disant « Oh, je me suis mariée, t'étais pas là.
La photo était sur Pinterest avec les protagonistes. Arrêtez de vous inventer des vies, hein, avec vos halal imaginaires, hein. Please. J'ai envoyé la vraie photo à mon frère, d'ailleurs, il a bien vu que c'était pas toi. Je sais que tu passes par là, que tu regardes toutes mes vidéos. Mes salutations distinguées, t'es bien mignonne, t'es bien sympa, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, je te souhaite le meilleur. Mais les mythos, ça va 2 minutes, quoi. En plus, c'est des mythos bas de gamme, quoi. Ça veut dire que vous prenez vraiment les gens pour des imbéciles. Bref, continuons. J'ai tant entendu de trouver un homme doux, gentil, pratiquant, avec qui avancer dans la vie et fonder une famille. Cela me ferait beaucoup de mal si je l'abandonnais et refusais de me marier avec lui. Il m'a lui-même dit qu'il avait besoin de moi. Donnez-moi des conseils et avis bienveillants, s'il vous plaît, mes sœurs. Barakallahu fik, PS, j'ai fait des salades istikhara. Moi, je te dis la vérité, laisse-le venir te demander en mariage. Ça va être un mytho qui va être pris à son propre piège. S'il a envie de crever, je ne sais où, et ben qu'il y aille. Et toi, barrière émotionnelle, t'auras gratté une bague. Tu vois ce que je veux dire? Prends la pilule. Tu vois ce que je veux dire? Il veut y aller dans je ne sais combien de temps, faut arrêter 2 minutes. Le mec, il s'est pris pour qui? Pour le fils à Kadhafi? Faut arrêter. Shamseddin el-Islam. Oh. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je sais que j'étais un petit peu dure, mais je supporte pas les extrémistes, quoi. Extrêmement cons comme ça, moi, je peux pas. C'est pas possible. Ok? Bon, tu likes, tu fais, tu toss, j'espère que depuis tout à l'heure tu m'as laissé un emoji noir, ça va porter la poisse, mais c'est pas grave. Franchement, l'emoji noir, on est en deuil aujourd'hui. La crème est déjà en deuil. Elle va se marier avec un mec qui va crever, il veut mourir en martyr. Et elle, de toute façon, elle veut pas se remarier parce qu'elle va aller au paradis. Prie, ma chérie, tu vas déjà y aller. Prie. Continue à prier, continue à te. Mais s'il te plaît, va sur Google et renseigne-toi sur toutes ces conneries qui t'a sorti. C'est pas possible de vomir autant de conneries à la seconde. C'est trop, quoi. It's too much, ok? Ok. Moi, je vous aime, je vous laisse, je vais aller chercher ma fille à l'école, je vous embrasse. Rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo qui, j'espère, sera encore un peu plus joyeuse. Sachez qu'à partir de la semaine prochaine, les mardis, je suis une question, reprendront. Le mardi prochain, ce sera vraiment les questions sur problème intrafamilial, toxique. Bon, bref, on verra, on fera un sondage. Rejoins-moi sur Instagram entre deux vidéos et dis ça, ne te laisse pas faire. Et oui, j'ai mis mon lien TikTok aussi. Rejoins-moi sur TikTok. Maintenant, je vous partage mes looks du jour. Après, je vais vous prendre en photo celui-ci. On adore ou pas? Franchement, vous ne kiffez pas trop, c'est le haut, c'est un, comment ça s'appelle? C'est un body de chez, il est censé être comme ça, mec, tu vois. Oh, on adore ou pas? Ça se met sans soutien-gorge, je m'appris, Lolo et Lala sont en l'air. Hein. Ah, faut que je fasse ma miniature. Bref, je te laisse, à demain, et d'ici là, ne te laisse pas faire. Kiss you, baby.